Alléluia! Je vous salue, frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, pour la parole de Dieu, tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Joël. Joël chapitre 3, versets 16 à 17. Ce message a pour thème la sainte résidence de Dieu sur la terre. C'est-à-dire la sainte demeure de Dieu sur la terre. Alors nous allons lire la parole. Joël chapitre 3 plutôt, verset 16-17. Alors si tu as trouvé, je lis. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte. Oui, la sainte résidence de Dieu sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, oui, Dieu nous parle à travers son serviteur Joël, qui est prophète en Israël, précisément dans le royaume de Juda, 800 ans avant Jésus. Nous sommes donc en Israël, à travers cet homme de Dieu, voilà que Dieu parle à toute la terre, que lui, son jour viendra. Oui, c'est ici le règne de Christ, un règne qui n'est pas partagé, mais ça sera sur Jérusalem, ce sera à Sion, oui, là où il appelle la montagne de Dieu, ce sera là sa ville, c'est là il va manifester sa puissance, il va rugir, il va faire entendre sa voix, il va ébranler les cieux et la terre. Bien-aimés, oui, voici la parole de Dieu telle qu'il est, Dieu nous interpelle, oui, ça c'est au temps de Joël, il a parlé, ce qui va venir, cette prophétie va s'accomplir. Juste après le règne de l'Antéchrist, c'est le temps du règne de Dieu pendant les 1000 ans sans partage. Et ce temps-là, oui, toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Tout genou va fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Il va ébranler les cieux et la terre. Il va rugir. Oui, ce ne sera plus comme l'agneau qui est venu. Ce ne sera plus comme Jésus qui est l'agneau de Dieu qui est venu. Non. Ce sera maintenant le lion de la tribu de Juda. Mais ce qui est intéressant, où cela va se manifester, c'est un lieu bien précis, la demeure sainte de Dieu sur la terre. C'est, oui, la résidence sainte de Dieu. Ici, le mot saint, il faut comprendre le mot saint par le fait que, oui, l'absence, oui, de tout ce qui est impur, l'absence des mêmes païens. Parce qu'il dit qu'il va vider tout Jérusalem des étrangers. Oui, le lieu saint, la demeure sainte, il s'agit de la demeure, l'habitation de Dieu, là où Dieu habite, pas de païens, pas d'esprit impur, pas de gestes, pas d'actes contraires à la volonté de Dieu, pas de paroles contraires à la volonté de Dieu. Dès que dans un lieu, dans une demeure, je dis bien dans une demeure, il y a des gestes, des actes contraires à la volonté de Dieu, ce lieu est déclaré impur. Bien aimé, il s'agit de la demeure de Dieu. Il s'agit de la résidence sainte de Dieu sur la terre. C'est de ça que nous allons parler, c'est de ça que je suis en train de parler, frères et sœurs. Alors, de nos jours, ce que Dieu veut que nous soyons, Dieu veut que nous soyons, oui, Jérusalem. Dieu veut que nous soyons Sion. Dieu veut que nous soyons la sainte montagne. Il va habiter en nous. C'est nous qui sommes la demeure sainte de Dieu. C'est toi, en toi que Dieu habite. Dieu veut que tu sois la nouvelle Jérusalem. Ton corps, il ne peut pas le partager avec un esprit impur. Oui, si tu veux avoir la victoire, si tu veux toujours en bonne santé, si tu veux évoluer, si tu veux réussir, si tu veux devenir riche, si tu veux dominer sur toutes les nations, si tu veux être bien-aimé, l'homme le plus loin, le plus bien, le plus riche, oui, le plus en paix sur la terre, il faut être, oui, Sion. Il faut être une nouvelle Jérusalem. Ton corps doit être ainsi, ne va pas partager ton corps avec qui que ce soit.
La Bible dit que Dieu habite en nous. C'est ce qu'il veut que tu reflètes maintenant. Oui, c'est l'image que tu dois présenter, c'est ce qui va venir. Là où Dieu habite, voilà ce qu'il dit de Dieu. Il habite en toi. Tu dois être le temple, tu es le temple de Dieu. La Bible dit, ne savez pas que vous êtes le corps. Oui, vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Bien-aimé, voilà. Le domaine d'habitation de Dieu sur la terre. D'abord, il y a toi, le corps. Et toi-même, ta demeure, ta maison, dans ta maison où tu habites. Voilà, deux choses qui ressortent ici. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. On soit pur, on soit saint. Oui, être saint, c'est qu'il n'y ait en toi rien de contraire à Dieu. Rien d'opposé à Dieu. Que ce soit dans le langage, que ce soit dans les gestes, que ce soit dans les actes, que ce soit dans les lieux, je n'ai pas de demeure. Ta demeure doit être une propriété privée de toi-même. Dieu n'est pas locataire. Dieu n'est pas locataire. La terre lui appartient. Il dit, c'est là que j'habite. Et en cela, c'est en cela que tu auras toutes les sources de Dieu seront en toi. Et quelqu'un qui se trouve toutes les sources de Dieu ne sera jamais malade. Le diable ne peut jamais le vaincre. Il a toutes les bénédictions sur la terre. Il aura tout ce qu'il veut sur la terre. Toutes les sources de Dieu sont en toi. Oui, Sion est le lieu de Dieu, le lieu d'habitation de Dieu. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, commencement Dieu créa les cieux et la terre. Quand il a créé la terre, ce qui l'a préoccupé, c'est d'avoir un lieu d'habitation. Toi, tu dois avoir un lieu d'habitation qui t'appartient, propriété privée. Ce n'est pas être un locataire. Si tu es locataire, tu es sous le pouvoir du propriétaire du lot. Les sorciers peuvent s'arranger avec lui et puis nuire à ta vie tout le temps. Voilà ce qui nous gêne. Ça, c'est clair. Tu es dans une location. Si Dieu t'a donné les moyens, Dieu t'a béni, il faut chercher une terre. Il faut avoir une propriété, oui, privée pour toi. Une église ne pourra jamais prospérer dans un lieu de location. Ce n'est pas possible. L'État représente Dieu. Il faut prendre la terre en propriété. Il faut avoir ce qu'on appelle l'ACD. C'est ce qui te donne priorité d'être propriétaire sur la terre. Il faut être autonome. Oui, il faut être autonome. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Oui, c'est une attestation de concession définitive qu'on te donne. Les églises qui sont dans les maisons de location ne peuvent pas évoluer. Ce n'est pas possible. Le diable va s'arranger. Oui, les rois, les autorités ont un territoire. Ils ont leur territoire, la zone d'un roi. L'église va prospérer là-bas. Ce n'est pas possible. Le roi domine. Tu n'es pas autonome dans la zone d'un roi. Un enfant de Dieu peut être dans la cour d'un roi et puis réussir. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Ça, c'est ce que Dieu veut qu'on soit. Une nouvelle Jérusalem. Tu veux lire Apocalypse 21, verset 27. C'est ce que Dieu nous réclame ici. Donc, bien-aimé, oui, si tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a béni. Cherche à bâtir toi-même un lieu qui est ta propriété privée. Pas loger tes entreprises dans des propriétés de location. Oui, bien aimé, ce ne sera pas bien. Ton entreprise est en danger. Ça, on appelle le patrimoine de l'église. De l'église ou bien de même l'entreprise. Le patrimoine immobilier d'une église doit être une propriété privée de l'église ou de l'entreprise. Sinon, tu n'auras pas la victoire sur l'ennemi. Le diable va s'arranger avec le propriétaire pour te nuire. Tu es dans une maison, bien aimé, tu es dans une maison. Mais avec qui tu vis dans la maison? On parle de domicile. Là où Dieu est. Pas de présence de païen. Dans ta maison, tu es avec un païen. Tu n'as pas le pouvoir. Le païen même va exercer un pouvoir. Il va te nuire. Tu auras l'autorité sur lui, d'accord. Mais par moment, le diable va passer par lui pour te nuire. Parce que sa présence rend le lieu impur. Il est un adversaire à Dieu. Vous voyez, sa seule présence même rend le lieu déjà impur. Quand il s'agit d'un domicile. La même chose que la voiture, on prend des risques même. Tu rentres dans un véhicule, le chauffeur même, c'est un païen. Mais tu es dans un lieu impur déjà. Je n'ai pas de domicile, je n'ai pas parlé de terrain ou bien non. Le domicile, lieu d'habitation. C'est ça qu'il s'agit ici. C'est ça que Dieu parle. Donc soyons des domaines, des lieux d'habitation bien aimés, oui, bien sanctifiés. Il faut sanctifier ta maison, ta demeure. Qui est d'abord ton corps, tu es dans ton corps, tu demeures dans ton corps. Cependant que tu es dans ton corps est d'abord ta première demeure, se trouve ton âme. C'est cela. Et Dieu se trouve encore dans ton corps. Bien-aimé, Sion est le lieu où Dieu a résidé dès le commencement. Avant de créer Adam même, c'est là que Dieu habitait à Sion. Tu peux lire le psaume 87, 7 versets.
Il dit Sion est la source de sa, Sion est la, l'origine même de sa, personne, de sa personnalité. Ni le psaume 87 va te dire, que c'est là que tu t'as été créé, c'est là que Adam, Dieu a créé Adam, là où il y a eu le temple, là où on a construit le temple, c'est là que Dieu a pris la terre pour créer Adam. Puis maintenant, il a créé un jardin. Dieu veut que l'homme soit autonome. Il lui a donné un terrain, ça c'est en Irak, au sud de l'Irak. Prends la carte du monde, tu vas voir, au sud de l'Irak, il y a le fleuve, l'Euphrate. Quand tu prends Genèse, ce qui arrose le jardin d'Éden, le fleuve l'Éternel, dans le golfe Persique. Il y a un fleuve qui est là. Il y a des fleuves qui sont là, qui se terminent par un seul fleuve dans le golfe. C'est là que Dieu a placé Adam. Donc Dieu voudrait qu'on soit autonome. Qu'on habite dans des lieux qui nous appartiennent, propriété privée, sans partage. Sans, avec qui tu vis à la maison, les nounous qu'on prend, les parents, les sentiments. Dieu ne gère pas les sentiments humains. On vient, on loge quelqu'un chez nous, mais il n'est pas en Christ, le lieu devient impur. C'est ce que j'avais à vous dire. Vivons dans la sanctification. Bien-aimé, oui, ta résidence détermine, oui, ton existence. Oui, sanctifions nos milieux de vie, sanctifions nos résidences pour avoir la victoire sur l'ennemi, pour être heureux, pour être béni, que le nom de Dieu soit glorifié. C'est ce que j'avais à vous dire. Soyez heureux, soyez bénis, marchez selon cette parole pour réussir dans toutes vos entreprises. Au nom de Jésus. Amen.